Merci Pikachu! Salut à toutes et à tous! Bienvenue sur ce nouvel épisode qui, comme vous l'aurez peut-être vu, est un peu différent des autres. Car je vais jouer à Pokémon, version jaune. C'est un jeu que je n'ai jamais fait. Parce qu'au détour d'une conversation avec des amis, j'ai eu la maladresse, on va dire ça comme ça, de dire que je n'avais jamais joué à un jeu Pokémon de ma vie. Bien sûr, j'adore l'univers, etc. Mais j'ai failli me faire lyncher en lançant cette information. Donc, je me suis dit, on va remédier à tout ça et je vais le faire en votre compagnie. Donc voilà, donc, je vais jouer sur ma GameCube. Donc oui, je suis d'accord avec vous, c'est un jeu Game Boy. Alors comment je fais pour jouer sur ma GameCube? Et bien tout simplement, à l'aide de ceci, c'est le Game Boy Player. Donc sans émulation, on y va. Allez, c'est parti. Donc soyez indulgente avec moi, je ne connais pas du tout. Donc ça va être la totale découverte. Nouveau jeu. Bien le bonjour dans le monde magique des Pokémon. Notre chaîne, les gens souvent m'appellent le prof Pokémon. Ok. Ah, c'est Pikachu! Ce monde est peuplé de créatures du nom de Pokémon. Pour certains. Donc oui, on va appeler cet épisode, cette version de Try Again, Try tout court, tout simplement. Allez, c'est parti. Les animaux domestiques pour... D'autres, ils ont moyen de combattre. Pour ma part, l'étude des Pokémon est ma profession. Pourquoi pas, après tout. Quel est ton nom? Je m'appelle Selinka. Pas de raison de changer. Je suis désolée pour les petits bruits, peut-être que fait ma manette. C'est les aléas du jeu. Ah, ok. En effet. Voici mon petit-fils, il est ton rival depuis sa toute jeunesse. C'est sympathique ça. C'est quoi donc son nom déjà? On va l'appeler Régis, ça me va très bien. Ah oui, je me souviens, son nom est Régis. Mais quel grand-père attentionné il fait! Ta quête des Pokémon est sur le point de commencer. Tout nouveau monde de rêves, d'aventures et de Pokémon t'attendent. Dingue. Mais c'est dingue. Donc me voilà. Pour l'époque, c'était bien fait, mais là, qu'est-ce que c'est moche. Hein, Selinka joue à la Super... Ah, la Super Nintendo. On y va. Allez, on y va. Alors, c'est une cas à nous de PC. D'accord. Donc ça, il me semblerait que ce soit une sorte de banque. On verra tout à l'heure. Je suppose que je dois descendre. Mère. Bon, il arrive qu'un jour le fils aimé quitte la maison. Un
pas. C'est la vie. Le prof Chen te cherche. Il est dans la maison. Vas-y. La mère qui chasse son fils. Ça fait toujours plaisir. Avec une queue de singe. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Ça serait pas Son Goku? Allez, on y va. Des gens. Je vais leur parler. J'élève des Pokémon, moi aussi. Une fois fort, ils pourront me protéger. Super. Alors. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Allez, maison voisine. Allons-y. Salut Senka, Régis est dans le labo de Pépé. Merci. J'ai un peu de mal à me diriger, je suis désolée. C'est une carte, ça peut être utile. Oui, stop. Je vais essayer avec la croix, ce sera peut-être plus facile. En effet, c'est plus pratique. Enfin, c'est vite dit quand même. Ça viendra avec le temps, ne vous inquiétez pas. Oui. J'assiste le prochain. Je suis donc son. Tada! Assistant. Merci de l'info. Son assistant, oui, d'accord. Toi, t'es qui? Prochaine est la référence en matière de Pokémon. Il est très respecté parmi les dresseurs de Pokémon. D'accord. C'est cool. Selinka, Pépé n'est pas là. Pépé. Je suis venue parce qu'il va me filer un Pokémon. C'est cool. Une Pokéball. Il y a un Pokémon à l'intérieur. D'accord. Alors, il est où le Pépé? Souvent des Pépés dans les jeux. Peut-être si je sors. Non. Progrès, c'est des mots. On peut désormais stocker et même retirer des objets ou des Pokémon via PC. C'est balèze. Donc là, j'y suis allée. Oh. Désolée. Bon, c'est maison de Régis, d'accord. Il est petit ce village, il n'y a pas grand chose. Bon, j'ai dû manquer quelque chose, hein, à mon avis. Pépé n'est pas là, d'accord. Donc là, il n'y a rien à faire. Bah, je vais chercher un petit peu. Hop. Alors. Ah, on peut passer là-dedans. Ah, d'accord. De justesse, des Pokémon sauvages vivent dans les hautes herbes. Donc j'ai eu une petite réflexion de la part de Kiran sur mon précédent épisode, comme quoi j'ai triché mon micro. Tiens, voilà. J'essayerai de faire attention, c'est promis. Un Pikachu sauvage apparaît. Il a l'air très sauvage, le Pikachu. Utilise Pokéball. D'accord. Trop cool! Pikachu est capturé. Mais c'est trop génial. Pfou! Les Pokémon sauvages peuvent surgir à tout instant. Tu as besoin d'un Pokémon pour te protéger. Allez, suis-moi, viens par là. Il n'avait pas l'air très féroce quand même, comme Pokémon, je sais pas, mais... On peut peut-être se débrouiller tout seul, non? Pépé, j'en ai marre d'attendre. Quoi? Juste pourquoi es-tu déjà là?
Je t'avais dit de venir plus tard. Regarde, je savais pas que Selinka c'était un garçon. Désolée, j'aurais peut-être pris un autre nom si j'avais su. Je regarde Selinka, vois-tu cette balle sur la table? On avait ça, une Pokéball, voilà. Elle contient un joli Pokémon, d'accord. Tu peux l'avoir, vas-y, prends-la. Merci. Et moi? Excusez-moi, je trouve encore ce petit rhume que je traîne. Patience, Régis, tu en auras un tout à l'heure. Sympa, il fait passer des gens qu'il connaît pas avant son petit-fils. J'apprécie. Comment on fait pour y aller? Voilà. Oui, je suis nulle. Eh ben, c'est pas grave. De quoi, Selinka? Je veux ce Pokémon. Régis pique le Pokémon. Génial! Mais il est gentil, ce garçon. Régis, que fais-tu? Pépé, je veux celui-là. Tiens, mais enfin, mais... Ben, c'est que... Ok! J'allais t'en donner un tout tard. Selinka, viens par là. Va vouloir l'autre aussi? Selinka, voici un Pokémon capturé un peu plus tôt. Il est pour toi, mais il est encore un peu sauvage. Oh, Pikachu! Son nom a pu... Non, j'ai pas envie. Ah! Trop tard. On va aller sur le quai. Peut-être qu'il a pas de nom du coup. Ton Pokémon te protégera des Pokémon sauvages. Après ça, vers la ligne. D'accord. Minute! Papillon. Voyons lequel le Pokémon est le plus fort. Passage, hein, petite dédicace à Minute Papillon. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Si vous connaissez pas, allez regarder. Régis veut se battre. Fais appel à Evoli. Oh, c'est choupette. En avant. On va lui cramer la gueule. Ça a des poils, ça doit bien brûler. Même pas. Mimiqueux. Je perds de la défense. Ça fait quoi ça? Coup critique! Evoli ennemi, lance Mimiqueux. Pourquoi il ne tape pas? Je crois qu'il a pas d'autre attaque en fait. Mais Evoli est nickel. Ok. Wouhou! Level up! Cachou apprend Mimiqueux. Pourquoi pas? A vaincu Régis. Ok. Comme par hasard. Moi je dis que c'est pas le Pokémon qui est nul. Hein. Ok, je vais entraîner mon Pokémon. Pépé, à plus tard. No signal. Oups. Il y a eu un petit bug écran, désolé. Quoi? Tiens, c'est pas comment. On dirait que ton petit Pikachu n'aime pas les Pokéballs. Tu devrais peut-être le garder avec toi. Au moins, comme ça, il sera content. Ok. Tu peux lui parler et voir s'il commence à t'aimer. Il n'a pas l'air de beaucoup m'apprécier. Il m'ignore totalement. Donc, si j'ai bien compris, il faut aller vers le village voisin. Il n'y a pas une carte ou quelque chose. Objet. C'est quoi ça, Selinka? Je ne sais pas du tout. Alors, bon, bah, on va aller voir par où il m'a empêché de partir tout à l'heure. C'est vert, c'est joli. Il y a un thème de couleur par carte ou
patata. En avant, Pikachu. Alors, est-ce que j'ai des Pokéballs? Non, j'en ai pas. C'est quoi ça? D'accord. Ça doit être pour changer. Ok, donc on fait évoluer notre petite bestiole au fur et à mesure. Pour tout vous dire, je connais même pas le... Je sais qu'il y a eu un dessin animé qui a été fait sur Pokémon et je n'ai jamais regardé. Vous avez le droit de me taper apparemment. Il y avait eu la même réaction autour de moi quand j'avais dit que jamais j'avais vu les Star Wars. C'est j'y ai remédié, je les ai tous regardés. Enfin, on m'a forcé à tous les regarder. Comme quoi. Déjà, vous, c'était très bien. J'espère que j'aurai la même surprise avec Pokémon. À la boutique Pokémon, nous avons plein d'articles. Viens nous voir à Javiel. Prends donc ceci comme échantillon. Merci, monsieur. Alors, oh, un roucoul sauvage apparaît. En avant, Pikachu! Go! J'ai pas l'impression de faire beaucoup d'attaques différentes là pour l'instant. Coup critique, c'est très efficace. D'accord. Donc, j'avais cru comprendre qu'il y avait des éléments plus efficaces sur certains types. Ah! Donc, apparemment, l'électrique est efficace sur le vol. Moi, j'essaye de. Je vais essayer d'aller avec la croix là, mais je suis pas très douée pour me déplacer pour l'instant. C'est très linéaire en fait, comme déplacement. Alors, je vais regarder ce que c'est un petit peu ça. Il chante. Trop cool, mais il perd force. D'accord. Tornade. D'accord, d'accord. Donc pour l'instant, j'ai qu'une attaque offensive. C'est éclair. C'est très efficace. Ah bah tant mieux si c'est très efficace. Tu vois ces rebords le long de la route. Tu peux sauter par-dessus. C'est dingue. Non c'est dingue. Tu peux revenir plus vite à Bourg-Palette de cette façon. Ok, merci monsieur. Heureux, désolé, petit problème de branchement, donc j'espère y avoir remédié. Croisons fort les doigts. Allez, c'est reparti. Donc j'allais dans ces trucs-là, les herbes. Et encore un roucoule. Un roucoule. Hop, éclair. J'aurai plus d'attaque à force, hein. J'ai baissé un petit peu le son de ma télé. Voilà. Allez, on y va. Donc le déplacement avec la flèche directionnelle est beaucoup plus pratique. Astuce, les attaques sont limitées par des PP. PP, beaucoup de PP. Points de pouvoir. Pour disposer de tous vos PP, faites soigner vos Pokémon dans un centre Pokémon. Ok. D'accord. Y'a quoi par là? Y'a rien. Je sais pas trop pourquoi
L'ambiance est passée du bleu au vert. C'est plutôt sympa. Ça devait être plutôt limité en couleur à l'époque. Des Pokéballs, méta, des Pokémon. J'en ai un. Pas des, un. C'est cool de pouvoir s'en servir quand on veut. Ouais. Sûrement. Alors, je regarde un petit peu. Non, je pense pas qu'il faille sortir tout de suite. Je vais regarder un petit peu là. Les maisons et tout ça. Donc ça, c'était quoi? Jadiel, verte comme l'espérance. D'accord, tout s'explique. J'essaie d'apprendre mes leçons. C'est cool. Désolée, pour l'instant, je vous fais défiler deux fois le texte parce que j'appuie trop vite. Je prends mon temps. Lis attentivement le tableau avant de partir. J'ai pas envie. Ma sœur, elle dit qu'un Pokémon devient gentil. Et ben, si on est gentil aussi, ouais. D'accord. Allez, on va regarder un shop. Est-ce que j'ai des sous? Ah, Poké. Donc là, ça doit être le centre Pokémon, à mon avis. Je suis pas trop bête. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Soigne tous les Pokémon blessé ou KO. D'accord. Bienvenue dans notre centre Pokémon. Nous soignons les Pokémon.